suite et on va se jeter dans ce portail. C'est parti. De Signe et de Speed. Go. Donne-moi la pierre et tu seras pardonné. Donne-la-moi, Marius. Tenez. Tout se termine enfin, Tyrael. Regardez ce que la pierre a fait de moi. Tu n'as pas échoué, vieillard. Tu n'as fait qu'obéir à ton destin. Au fait, je ne suis pas l'archange Tyrael. Je crois que tu mérites une récompense. Je n'ai pas mérité ça. Thank you.
Baal ! Les portes de Sécheron se dressent depuis des temps immémoriaux. Et vous ne les ferez pas tomber aujourd'hui. Que vos démons partent sur l'heure. La lumière est notre allié. Nous vous empêcherons d'atteindre le mont Ariath. Ce que vous convoitez ne sera jamais vous. Vos arguments méritent considération. Conditions sont inacceptables. Et voilà une bonne grosse cinématique. Je vais remettre Mumble. Hop là, re tout le monde. Et re. Je croyais que vous m'aviez oublié. Cinématique des enfers, mais non. Ah, elles sont très très longues. Hein. Ouais, ouais. T'es niveau combien? Je suis niveau 26, pas encore 27. Ah oui, parce que t'oublies pas, je t'avais filé une. Ouais, elle est dans le cube Oradrim, mais là. Elle attend dès que je passe niveau 27, je la mets, mais... Parce que ça va te faire un gros boost aussi au niveau du casque. Ouais, je sais, j'attends avec impatience. Je suis à peu près aux deux tiers du niveau 26. Comment va ? Alors, faut qu'on ressuscite Michel un petit coup, peut-être ? Pourquoi pas ? À qui est-ce qu'il faut parler, là ? Si tu parles au gars près de le gros viking en haut à gauche. Bonjour. C'est pas les plus en haut à gauche. Là. Non mais en fait j'ai l'impression qu'il est là mon gars, mais juste il apparaît pas sur mon... Parce que ça doit être l'un des miens. C'est juste qu'il apparaît pas sur l'interface, pas de soucis. Bizarre. Moi. Ok, à qui est-ce qu'on parle ici? Je ne sais plus. Bah on a déjà la quête, hein, donc je pense qu'on faut ouais. Y aller. Vous l'avez, ok. C'est bon. Larzu qui la donne la quête, je crois. Ah, Dolgar qui a tenté une autre blague. Les démons, quand ils étaient petits, jouaient beaucoup la balle. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est pas mal. C'est un peu plus propre. C'est tout public. C'est tout public, ouais. Exactement. Oula, une petite téléportation du lag. Ah, c'est là la porte. C'est là-bas. Oh là-bas. C'est quoi ton ordre de message? Il faut plus qu'un siège pour m'arrêter. Exactement, il faut plus qu'un siège pour m'arrêter. Tout à fait. Il faut deux sièges ou un banc. C'est ça, il faut un banc pour m'arrêter.
Faites pas vos malins. Sanctuaire d'expérience là, si tu veux le prendre pour ton XP. Ah ouais, un petit sanctuaire d'XP. Mais normalement c'est pas partagé sur tous les personnages quand Ah non, non, c'est que celui qui le prend. Ok. Ah, elle est pas là pour faire des potes quand même. C'est dans le 3 effectivement, ou dans le 3 tout le monde a le droit au sanctuaire quand t'es à côté, je crois, ou dans la map. Non, on n'a pas réussi à sauver le mercenaire, le barbare. C'est fort triste. Forcément, tu peux pas descendre, t'es à l'escalier. Bah, faut me le dire. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de rester à distance dans les goulots d'étranglement, donc. Je sautais par-dessus, toi. J'avoue, ouais. Dis ça et derrière, il fait un saut, quoi. Bravo, bravo. C'est pas du saut de Pluton, c'est du saut de nécro. Et Mad, il est parti, je sais pas où, par contre. Bon bah à l'opposé de nous, en fait. Par principe. C'est ça. C'est mais je fais pas exprès, en fait, j'ai... Je n'irai pas là où vous allez. Un ordre, c'est gauche-droite, peu importe les maps. Et c'est vrai que du coup, je le suis sans même réfléchir à ce qui se passe. Tant que je crève pas, je me dis c'est que tout va bien. Ça doit être le bon chemin. Ouais. De toute façon, on finit par se rejoindre à un moment. Si vous faites le tour de la carte. Mais je vous perds pas de vue en même temps que je vous ai. La petite, bah cette carte-là, la sortie, elle est en haut. Un autre sanctuaire d'expérience. Si tu veux le prendre, incroyable, il est bientôt fini, le tien, non ? Bah, je sais pas. On peut savoir quand est-ce qu'il se termine ? Non, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le. Ouais, on est d'accord. Ah, mais vous êtes là. Alors, il y a peut-être une technique, mais je la connais pas. Pour voir. Alors, c'est marrant parce que du coup, je confirme que. En fait, je suis en train de me dire, je vois pas mon mercenaire, mais je vous vois pas non plus. J'ai dû appuyer sur une touche qui cache vos. Ah bah, tu peux essayer toutes les touches du clavier. C'est Z, ouais, pour. C'est pour ça. J'ai dû faire Z pour avancer un moment par réflexe. T'as fait Shift Z, je pense, et puis. Oh là là, le troll quoi. Je te vois. Ah mais moi je suis un barbare mais c'est un PNJ en fait. C'est pas Karn. Scandale. C'est à dire que tous les barbares se ressemblent. Ah oui, vous m'avez clairement abandonné quoi, délaissé. Bah en fait je me suis dit, vu que Mad était déjà passé par là, il y avait probablement rien. Non mais là j'essayais de vous suivre. Ouais, le niveau 27. Toc. On va reprendre un petit peu de force parce qu'il va nous falloir quand même de quoi monter. Et on va pouvoir mettre ce fameux mort unique. Alors du coup. C'est Horde Sol l'ordre. Ouais, j'avais déjà mis la Horde, du coup je mets la Sol. Et bah ça fait rien. C'est Horde Sol. Home alchimique d'auto-génération. Ça fait rien ? Bah j'ai résistance à la foudre 30%. Répare 1 point de durabilité en 33 secondes, mais ça je crois que c'est déjà dessus. Et dégâts réduits de 7. Mais... C'était pas un casque blanc que t'avais ? Ah non, c'est pas un casque blanc. Il faut que ce soit un casque blanc. Ah bah blanc. Oui. Ah ouais, les moroniques, c'est que moi. Sur les casques blancs. Ah, alors j'ai peut-être d'autres runes si tu veux. Attends. Excusez-moi. My mistake, ouais, en fait, comme on dit. Le principe des moroniques, c'est que tu es obligé de le faire que sur un objet blanc quoi, ordinaire. Ok. Oui, c'est vrai que c'est pas illogique maintenant que tu le dis. Bah désolé, je rembourserai les runes. Non non mais t'inquiète, normalement tu peux t'enfiler d'autres. Est-ce que t'as un autre casque Bah du coup il faudrait que je trouve un casque blanc avec deux trous. Ok. Ça, on va chercher. Ça devrait être trouvable.
C'est pareil, si vous trouvez une épée 4 trous, il faut la garder parce qu'on peut faire un bon moronique dedans. Que ce soit absolument une épée ? Je n'ai pas assez de mana. Oui. Mais une épée blanche du coup, 4 trous. Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, les trucs blancs, c'est pas le machin que t'as le réflexe de ramasser. Quoi. Ouais, du coup ils sont pas blancs quand ils sont au sol et qu'ils sont ils sont gris. Ouais. Ils sont gris. Ouais. Ah, quand ils sont assertis, ils sont gris. Je crois que c'était quand ils étaient éthérés qu'ils étaient gris, ouais. Au sol. Il y a les deux, éthérés aussi. C'est quoi un physicien ? D'accord. Il est en forme ce speed ce soir. De mana, moi. Ouais, j'en suis là aussi. Potion de vie, je l'ai pas non plus. Oh, level up, hein. Très bien. Continuez avec ça. Hop. Force SR 51, ah, tant pis. C'est qui me balance des boules de feu sur la tronche. Ça peut être les catapultes à l'autre bout de la map. Ouais, je sais. Je trouve ça un petit peu insultant d'ailleurs. Ouais. Oh là là, la dèche de mana quoi. Alors que je tape avec ma baguette. Je touche aucun coup quoi. La tristesse. Tiens, prends une potion, Roger, là, t'en as besoin. Et j'avoue que c'est la première fois que je suis vraiment en dèche de mana, là. Il y a la quête qui s'est activée. Oula, c'était que ça. Quelqu'un est tombé ? Non. Ici, non, une cuirasse peut-être à sertir, c'est pas intéressant. C'est intéressant. S'il y a deux trous, ça, on peut faire Thalette dedans. C'est un seul trou. Tout à l'heure, il y avait une brigandine à deux trous, mais je pouvais pas la porter. Mais. Après Thalette c'est pas mal mais ça te donne pas de tous un skill alors je sais pas si ça t'intéresse. Je crois que c'est pour le mana surtout. Écoute hein, du mana c'est toujours bon à prendre. Shank le surveillant il est là. Bon bah je vais l'attaquer à la baguette hein. Voilà. Allez. Incroyable. Quel étrange petit démon, bah je pourrais. Pourquoi pas. Du coup je peux le jeter mon casque avec mes runes dedans, il sert à rien au final. Y'a pas moyen de les récupérer. Alors non, y'a moyen de. Attends. C'est quoi, y'a une formule dans le cube je crois, c'est pour récupérer ta base, mais tes runes seront détruites. Ah, mais oui, comme ta base est mauvaise, de toute façon voilà. Ça donne pas grand chose. Pourquoi ? Pourquoi Lien ? Par principe. Par principe, on est d'accord. Juste par principe. Par pur principe, quoi. Moi, je vais réparer vite fait.
Ah merde, il y a un très rapide qui arrive derrière là. Voilà. Repli stratégique. Je vais les réparer aussi. Elle y a l'assassin misanthrope. Vous êtes un guerrier. Ah, on peut ajouter des chasses. Parfait. Mais bon. Ouf. Ça vaut mieux la garder pour quand t'as un super bon objet pour ajouter des chasses dedans. Ouais, ouais, je vais pas faire ça. Genre des toilettes. Blanc, hein. Ouais, voilà. Des toilettes par exemple. Tu sais que je suis retombé sur ton magnifique montage de Necromunda récemment. Montage de Necromunda, qu'est-ce qu'on avait fait? Tu te souviens pas du. Ah oui, du mec qui regardait sur les toilettes là. Absolument épique. Que puis-je pour vous? Ouais, à l'époque, je pensais pas que ça allait être aussi aussi révélateur. Ouais, j'avoue, c'était un peu la tristesse. Ouais. Du coup, il y a pas un casque pour toi là? Est-ce qu'on a tous les mêmes objets quand on va voir le marchand? Bonne question. Dans les casques. Tout en bas à droite, j'ai des gantelets légers solides. Ouais, pareil, défense 13. Défense 13, ouais, défense augmentée de 16%. Ouais, on a les mêmes, c'est ouf. Et le gars qui fait les paris, il est où lui? C'est pas le type à côté du ressusciteur de... Bon, ça coûte toujours 2100 de ressusciter, j'ai l'impression que mon mec il traîne un peu. Il a même pas de... un bouclier en os. Est-ce qu'il peut sortir des objets à sertir, lui? Oula. De toute façon, s'il peut sortir que des objets magiques, je crois, non? Et salut à toi, Maverick, et merci pour l'abonnement. Bienvenue. Ça fait bien longtemps qu'on t'avait pas croisé. Salut, Maverick. Allez, on tente le petit 11 000 balles. Résistance à la foudre 9%, non merci. Défense 34, récupération très rapide après un coup. Défense augmentée, non merci. Bon, alors, on a plus de thunes. Chalut, chalut. Alors Maverick, si jamais tu as un personnage et que tu veux jouer avec nous, n'hésite pas. Ce serait avec plaisir. Oui. Faut quand même falloir que je lui trouve un meilleur stuff aussi à Michel. Hein. Ça, peut-être que ça l'aiderait à pas décéder. Hein. Et si jamais t'as un stuff à lui donner avec des topazes, comme ça il te sort des objets magiques de temps en temps. Ah, disons qu'il a un vrai niveau de force déjà, donc... C'est bon pour moi, si vous voulez repartir... Ah oui, non mais d'accord, mais il y a... Il y a 2000 mobs sur le portail, quoi. Je me suis dit je vais partir puis je vous attendrai là-bas, mais en fait je vais courir en rond en vous attendant. J'arrive. Ah putain, ils sont hyper rapides en plus les salauds. Tu ne connais pas ce jeu, incroyable. Eh bien écoute, si tu aimes... Enfin, tu connais quand même le genre hack and slash. J'imagine... Eh bien c'est... voilà le... Le Arnois gothique, si ça intéresse quelqu'un. Ouais, Diablo, c'est la licence phare du hack and slash. Ouais, je pense, ouais. On peut dire ça. Bah, je vais retourner vite faire ressusciter Michel, du coup, il s'est sacrifié pour moi, je peux pas le laisser mort, ce serait dommage. Tiens. C'est beau quand même. Bah, en même temps, il est payé pour. Quel sujet. C'est vrai. Il pourra éviter de crever. Au moins rentabiliser la thune, quoi. Vu comme ça. J'avais un sub à lâcher, bah merci beaucoup, Maverick. Je peux vous aider? Ça le fait petit... bien plaisir. Le petit sub juste avant la fin du mois qui fait toujours plaisir. Ouais. Juste après. La finale de Carcassonne.
Bon, il a fallu payer l'abonnement à l'année pour le vainqueur. Ça fait bien plaisir. Comment ça t'offrait un abonnement à l'année? Ouais, pour le vainqueur du championnat de France de Carcassonne en ligne. Et on a eu un mail il n'y a pas très longtemps de Asmodée, mais pas du tout pour sponsoriser le truc, nous aider à offrir des abonnements ou quoi. Juste pour nous dire, dis donc, vous faites un truc sans que les ayants droit soient au courant, comment ça se fait? Grosse ambiance. Ah oui, cash quoi. Ouais. Et pourtant c'est gratuit Carcassonne le... Alors c'est tu peux jouer gratuitement, mais il y a quand même un système d'abonnement qui te permet de créer des parties avec qui tu veux, des choses comme ça. Ah, d'accord. Créer des tournois. Ouais, les gens ils ont pas apprécié quoi. Ils ont pas trop apprécié. En même temps j'ai répondu en disant que s'ils lisaient leur mail ils seraient au courant, puisque ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on fait des tournois de Carcassonne et que ils ont été prévenus. T'as bien fait de le dire ça, que ça fait 2-3 ans, parce qu'ils vont te donner le... Ouais, l'arriéré. C'est pas faux. Et donc voilà, grosse ambiance. Ouais, j'avoue. Mais bon, tant qu'il n'y a pas d'avocat à la porte, ou quoi, on continue comme si de rien n'était. Hein. Et au pire, on changera de nom. Ouais, vous appellerez ça, je sais pas, Carcading. France par Carcassonne, exemple. Voilà. Je sais pas. En plus, ils risquent pas de faire le rapprochement, c'est bien. Ouais, du tout. Non, mais normalement, tout va bien, tout le monde est autorisé à créer des championnats de France pour ceci ou cela comme on veut. Les associations, les particuliers. Ah, il y a eu un décès. Hein. Ouais, il y a eu un décès. Mon personnage n'a pas voulu sortir du lance-flamme. Attends, je cherche les sous. Où sont les sous? Là, je vois 197 pièces d'or, ça doit être à lui. Ils sont pas gentils. Qu'est-ce qu'ils sont pas gentils? C'est terrible. C'est terrible d'avoir des amis aussi méchants. C'est juste pour se rembourser le portail qu'on t'a fait, c'est tout. Lis le non, chat. Pas à qui c'est qui nous a rejoint et qui est en galère là? Non. C'est quoi ce délire? Si c'est rétroactif. Eh bien, écoute. Non, en vrai de vrai, moi j'aimerais bien qu'Asmodée nous sponsorise, etc. Parce que, en plus de ça, le site sur lequel on joue, il est à eux. Donc globalement, quand on offre un abonnement à l'année, ça va chez eux. Donc, un petit soutien, ça aurait été cool de leur part. Ça a perdu de temps. T'es revenu déjà, quoi. Ah oui, je suis revenu, moi. Mais je crois, en fait, je pense pas qu'ils soient de mauvaise foi ou vraiment des mauvaises gens. Je pense qu'ils sont juste trop old school et que tout ce qui se passe en ligne, etc., c'est vraiment pas leur truc. Oh, ça devient et du coup, ils sont un peu surpris. Mais... Du coup, ils tabassent par défaut, mais. Ouais, bon, il a pas tabassé, il a juste posé les questions. Qu'est-ce questions. Que vous faites? Qui êtes-vous? Mais c'est vrai que c'est pas une approche habituelle quand on est habitué des jeux vidéo, des communautés, des tournois, des machins, des trucs. C'est vrai que ça surprend. C'est quoi le portail là? Ah, c'est les prisonniers. Ils entendent pas, libérez-moi, libérez-moi. Oui, non, que Ken. J'ai pas eu le temps. Apparemment, il y en a 3 comme ça à libérer. 3 enclos à trouver. Putain, mais pourquoi mon armure d'eau ça n'arrête pas les dégâts de flamme là? C'est un scandale ça. Ah, il y a un portail aussi là. Oups. Oh là là, les lags.
Je sais pas où est parti Michel. Bah il est coincé dans un mur. Ah. Il fait tout s'explique. Il était juste à côté de moi, coincé dans un mur de l'enfer là, en mode. C'était assez peu évocateur. C'est très réaliste. Je crois que je lag tellement que c'est quand ils me tapent et qu'ils prennent des dégâts à cause de mon armure que ça les tue les monstres quoi. Bon tant pis, j'arrête d'essayer de frapper le gars qui s'en va droit devant. Ouais, tapons la catapulte, t'as raison. Ah voilà, comme elle bouge pas, c'est plus simple. Voilà, y'a plus qu'un enclos à trouver. Pendant ce temps-là, Karn y fait le taf, hein. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le portail rouge? C'est des toutes petites missions de 5 minutes. Oui, c'est des petits trucs, y'a un coffre à la fin, quoi. Ouais, bah peut-être qu'il après ça s'arrêtera là. Après. On arrive à la moitié de. Du temps imparti. Tiens. Donc le premier portail c'est Abaddon, il y en a un deuxième, il me semble. Je peux pas rentrer dedans. Ah si, ça y est. Waouh, ça devient compliqué hein. Moi aussi j'ai quelques lags là quand on rentre dans certaines zones. Ah pas de soucis Maverick, merci d'être passé. Bon courage du coup, je sais pas si tu reprends demain à la même heure mais... C'est des horaires qui piquent ça à 4h du matin. Un casque de combat pour barbare avec 3 trous, ça t'intéresse ça? Non merci, j'ai déjà des casques pas mal déjà. Je suis en week-end, hein. Ok bah profite bien. Du coup si ça t'intéresse, ce sera peut-être jeudi prochain la suite. Le jeudi prochain je peux pas moi. Ah tu peux pas, ok. Il y a un jour non, où tu peux, Runtal. C'était, tu sais je m'étais bourré de jeudi où j'avais un rendez-vous. Et du coup il y a un autre jour où tu peux speed et du coup signe aussi. Pas de soucis, bonne soirée Maverick, repose-toi bien, merci encore pour le soutien. La semaine prochaine c'est un peu compliqué, faut que je le vois, je sais pas trop. Ok. Ouais pour l'instant. Lundi a priori. Lundi moi je peux pas, c'est sûr. J'ai déjà un truc. Là globalement il restera une session après oui, ce soir. Après ça sera fini. Ah, la potion de mana. Au secours. Je n'ai pas assez de mana. Moi quand j'ai pas de mana, je me balade derrière Karn en ramassant les trucs qu'il fait tomber. C'est une très bonne solution. Karn en fait il te sert de Michel c'est version ça. Plus quoi. C'est Michel plus plus exactement. Et en plus j'ai même pas à payer quand il meurt, tu te rends compte? Et oui, tu gagnes même des sous quand je meurs. Ouais, c'est quand ça. Tu meurs tu récupères tout. Tu pourrais mourir plus souvent s'il te plaît. Ouais finalement c'est vrai que vu comme ça t'as pas besoin de ramasser les pièces d'or par terre. C'est lui qui fait ça. C'est clair, même les pièces d'or il est ramassé, c'est le mercenaire parfait quoi. Ah et pour les pièces d'or, y a Shobiti qui pointe l'écran là. Ah la thune, t'as oublié la thune. Et d'ailleurs Shobiti elle veut pas jouer avec nous. Shobiti non, c'est pas trop son truc là qu'elle sèche. Surtout du hard comme ça. Ouf. Okay. Tête de démon supérieur. Incroyable. Toi, tête de démon primitive.
tête de démon supérieur. Je vais faire un portail comme ça, on pourra reprendre le okay. portail que vous avez fait à l'entrée là. Ouais, ça marche. C'est nul. C'est nul. Donc voilà, on a terminé ce petit donjon. Il va y en avoir un autre. Il peut pas porter ça, Michel. C'est trop lourd pour lui. Y a pas des petites potions de mana là ? Si, y a une potion de mana, super potion de mana. C'est Mala qui les vend, les potions de mana, sinon. Oh non, mais je suis toujours en train de ramasser le loot du coffre, moi. Ah, d'accord. Ne nous emballons pas. Vas-y. Faut que je mette genre une potion. Tu connais la suite, non? Toc toc. Vous êtes parti déjà? Ah, non, si, tu connais la suite. T'emballes pas, t'es pas un cadeau. Non, mais ça, mais non, mais ça, je le dis pas ça. Ah, t'es dit. On a encore 5 soldats à libérer. Yep. Mais on peut orner un objet fois, également. Je pense, moi. Sauf si vous voulez faire ça vraiment vite fait là, mais là l'épisode est assez long et. J'ai eu ma dose pour ce soir, je crois. C'est comme tu le sens. Comme tu le sens. Si on coupe là, ça sauvegarde la quête où elle est. Ça sauvegarde la quête où elle est, par contre, on n'a pas trouvé le téléporteur encore. Ah. Je crois pas. On peut se faire une rapide mission de téléporteur. Est-ce que c'est haut de glace ou pas? Bah oui, c'est haut de glace. Glace ouais. Là. Ah oui, donc on l'a. Oui, c'est ça, ouais. C'est haut de glace. Ok. Donc c'est comme vous le sentez. Ouais, ouais, bah si. Non, bah moi je vais m'arrêter là parce que pareil, je sens que je suis un petit peu naze. Ça ne vous dérange pas en tout cas. Merci pour la session dans tous les cas. Bah, il n'y a pas de souci et merci à ceux qui sont passés en live. Yep, merci à tout le monde qui a suivi sur le live. De toute façon, je crois que la connexion ce soir c'est vraiment la merde. Je dis aussi au revoir à la VOD. Ciao la VOD. Et on se dit ciao. La VOD.